Les hélicos sont prêts à s'envoler. La carte au trésor, le jeu mythique d'aventure de France 3 est de retour. C'est vrai qu'on part tous ensemble pour quelques jours de tournage. Deux candidats vont vivre une aventure hors du commun. Chacun à bord de son hélicoptère, le bleu et le rouge. Comme le gentleman cambrioleur, ayez foi en votre bonne étoile. Vous allez vous affronter au cours de trois énigmes. L'enjeu à chaque fois, c'est d'être le premier ou la première à mettre la main sur une capsule comme celle-ci. J'essaye vraiment de ne pas les lâcher pour qu'ils gardent à chaque fois ce rythme de « on lâche rien ». Bienvenue dans la carte au trésor. Regardez cette vue incroyable pour débuter l'émission. On va en prendre plein les yeux. La carte au trésor, c'est une équipe. C'est 35 personnes qui se retrouvent à chaque tournage. On a vraiment une équipe d'enfer, quoi. Tout le monde a cette bienveillance. On est tous vraiment top, quoi. J'ai envie de te dire. On va y arriver. Cette émission, c'est vraiment une affaire d'équipe, de techniciens qui travaillent vraiment ensemble. Tout le monde a reçu la même formation d'embarquement, de débarquement, de sécurité. Par là-bas, madame. Allez, on se dépêche, c'est une voiture déjà. Ce chapeau, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement? C'est une sculpture? Il n'a pas trouvé encore, hein. Tu vas voir surgir un candidat bleu bientôt. J'ai l'impression que je suis dans le bon truc, là. C'est l'horreur. Bastien pour Cyril, qu'est-ce qui se passe? T'as pris une calèche, carrément. J'ai pris une calèche. Allez, il faut y aller, là, plus que 2 minutes. Vite. Tu es au 13e étage. Allez, c'est parti. 50 secondes. Allez. Le trésor t'attend. Ouvre-le. Stop. Oui. Bravo.